Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais tourner plusieurs vidéos, comme ça moi, j'aurais pas à tourner au jour le jour. Mais aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo drôle. Je voulais vous présenter tous mes personnages que j'ai sur TikTok pour que vous me connaissiez mieux et je trouve ça drôle. Donc ça veut dire qu'on va faire chacun des personnages que je joue sur les réseaux sociaux. On commence sans plus attendre par le numéro 1 et celui que vous adorez tous, la prof. Rôle de la professeure par Edelu. Rôle 1, tournage 1, scène 1. Plan 1. Non, mais c'est bon. 20 minutes pour avoir le silence, 20 minutes pour avoir une classe calme et 20 minutes pour débuter le cours. Et encore. 20 minutes. Vous trouvez ça normal que ça fait déjà 20 minutes, donc il est 14h20. On est rentré à 13h50 parce que j'ai décidé de commencer le cours plus tôt, justement parce que j'ai des choses à vous dire, j'ai des contrôles à vous distribuer, etc. Mais non, vous comprenez pas en fait. Vous comprenez pas en fait que là, on n'est pas là pour travailler, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour se divertir, on est là pour travailler. Vous voulez pas comprendre ça en fait, je pense. Ça veut pas rentrer dans votre tout petit cerveau parce que vous êtes des petits égoïstes et vous pensez qu'à vous. Et vous pensez même pas aux autres élèves qui sont venus travailler. Vous pensez même pas à eux. Et c'est ça qui est pitoyable. C'est ça qui est honteux dans votre comportement. C'est la honte ce que vous faites aujourd'hui. Le conseil de classe, c'est dans quelques jours. Et sachez que pour toi, toi et toi, déjà, c'est sûr certain, les appréciations vont être changées. Pour les autres, ça va être pareil. Oui. Tu t'es maintenant. Tu t'es parce que c'est pas avec moi que tu vas venir faire tes petites règles et ta petite loi. J'en ai tout le temps marre. J'en ai marre de tout le temps devoir crier, tout le temps devoir faire la police, devoir faire la justice. Et puis un tel, il m'a fait ci. Et puis moi, de l'autre côté, je dois calmer lui. Et puis un tel vient se plaindre de ses mauvaises notes. Et ben non, en fait, il n'y a pas de ça ici. Il n'y a pas de ça ici. Vous comprenez pas quoi dans ça. C'est pas bien compliqué que quand vous êtes en classe, quand vous êtes en cours, il faut travailler. Dehors, vous faites ce que vous voulez, ce que vous souhaitez dans les couloirs, vous faites ce que vous voulez, ce que vous souhaitez dans la course, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Par contre, quand vous êtes dans mon cours, quand vous êtes en cours, peu importe le professeur et peu importe la matière, vous devez travailler. Madame Arnaud est venue me voir. Et elle m'a dit qu'en art plastique, c'était catastrophique et pitoyable. Vous vous moquez d'elle, vous lui faites la misère, et puis patati, et puis patata. Donc moi, je vais pas m'amuser à faire la police à chaque fois. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va contacter directement vos parents. Parce que les observations qu'on met aux parents, je doute déjà que vos parents les voient, parce que certains ont les codes de leurs parents. Donc on va appeler directement les parents sur leur téléphone, et si ça répond pas, on va envoyer des lettres. Je pense que vous avez pas saisi, et je pense que vous avez pas compris en fait ce qu'on vous demande. De vous taire seulement. Et de venir ici pour travailler et comprendre le travail que vous avez à faire. Mais non, vous préférez vous amuser et rigoler? Eh ben, y a pas de problème. Ceci, vous allez me le regretter. Coupez! La vendeuse de vêtements en live. Acte 1, scène 2. Let's go. Action! Ma chérie, oui. Alors, regarde, il me reste celle-ci pour l'hiver. Moi, je vous la conseille, elle est super tendante. En plus, déjà, je trouve elle match avec tout. Donc, regarde. Alors, ma chérie, celle-ci, elle est incroyable. C'est le bordel à la boutique. J'espère que personne va venir. Mais les filles, oh là là, j'adore. Regardez, hop. Voilà, elle match vraiment bien avec tout. Donc, ça veut dire que moi, j'aimerais... Ton vendeur, c'est AliExpress. Tu sais, je vais pas rentrer dans ce débat-là, en fait. Vous êtes juste des haineux. Et dès que quelqu'un, en fait, réussit, vous avez sûrement le seum et la rage parce que vous faites rien de vos vies. Donc, continuez à être un petit salarié. Et moi, laisse-moi faire mon entrepreneuriat. Donc, je vous disais, regardez, elle match super bien, celle-là. Je l'ai appelée la Lina. La Lina, puisqu'elle est douce et elle tient chaud. Est-ce qu'elle est disponible sur le site? Alors ma chérie, elle a mis le check, je sais plus si elle est disponible sur le site. Je vais regarder ça tout de suite. Mille check. Non, la mille check, il en reste deux. Je sais pas, tu voulais en quelle taille? Parce qu'il y a des tailles en fait pour la mille check. Il y en a des plus longues et des plus courtes. Alors il y a le L, il m'en reste une L et une M, pardon. Donc ma chérie, ouais, franchement, ça va être chaud celle-là. Faut vraiment vous dépêcher pour celles et ceux qui la veulent. Tu as des choses plus simples. Oui, ma chérie, c'est ce que j'allais montrer. Ma chérie, alors là, j'ai un gilet super simple. Donc, désolé, c'est retourné parce que j'ai essayé. Vous savez, je suis super brusque. Hop, hop, j'enlève et direct, je pars. Alors, on a ce gilet noir, simple. Voilà, il y a deux poches. Donc, il y en a une ici et une de ce côté-là. Voilà, il est vraiment bien, mignon et noir. Hop. Alors, moi, il faut savoir que je le porte tous les jours. Alors...
pour ma marche, parce que le matin il fait froid maintenant, donc je mets ça en dessous et je mets ça par-dessus. Donc je garde les deux. Celui-là, c'est pas moi, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais non. Si je peux essayer d'en avoir, je vais essayer de me débrouiller pour en avoir. Mais je mets d'abord toujours lui en premier. Hop, comme ça, je range mes affaires dans mes poches. Je prends mon téléphone, mes AirPods. Et ensuite, je mets celui-ci par-dessus pour apporter encore un peu plus de chaleur. Parce que celui-ci, il est très bien, certes. Il est très fin, par contre. Moi, je suis très honnête avec vous. Vous savez très bien, je ne vous mens pas sur les produits. Donc ça veut dire, franchement, très bien. Prochain rôle, maman enceinte. Salut! Vous allez bien ici? Ouais, ça va super. Écoute, ben moi, je sais pas si vous avez remarqué, mais 1 plus 1 égale 3. Ouais, franchement, trop happy. Trop contente, les filles. Oh. Non, ouais, je l'avais annoncé à personne encore, c'était vraiment un petit secret. Et bah voilà, maintenant c'est officiel, donc je vous le dis. Ouais, ça fait 4 mois là déjà, c'est pour ça que je venais plus. J'essayais de mettre des trucs plus larges, etc. Mais tu sais, au bout d'un moment, le ventre, quand il est gonflé, quoi, on peut plus rien faire. Déjà 4 petits mois, il en reste encore 5 mois, tu vois, ça passe tellement vite la vie. Il reste 5 mois déjà et... 2024, on espère. Fin de la daronne enceinte. Debout. Assis. Debout. Assis. On m'a tenu informé de ce que vous faites. Tous et toutes. Tous et toutes. Vous vous amusez à gazer les professeurs. À prendre une gazeuse, à mettre par terre et puis après à tous rigoler, éclater de rire, tousser pour perturber le cours. Donc ça vous amuse. Ça vous amuse. C'est tout ce que je prends en compte. Ça vous amuse. Bah si la preuve vous riez à l'instant, donc vous allez vous lever, vous allez venir dans mon bureau. Que ça soit la dernière fois que j'ai à venir ici. Dernière fois, avant les vraies sanctions. Exclusion définitive, exclusion temporaire. Est-ce que c'est compris pour vous ou pas? Debout quand je pars. Et toi, tu viens avec moi. Quelqu'un veut la suivre? Eh bien parfait alors. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu viens. Et plus vite que ça. Non, je sais pas, non, mais c'est juste comme ça. Mais tu vas t'habiller comme ça là pour aller en cours? Franchement, c'est moche, hein. En vrai, non mais c'est la vérité, je vais pas faire l'hypocrite, c'est moche. Mais wesh. Faut arrêter de... Mais ma chérie, faut arrêter de te vexer pour un oui, pour un non. T'es moche en fait, c'est juste... C'est pas toi qui es moche, c'est la robe qui te rend moche. Regarde, t'es toute boudinée et tout. Et il faudrait d'ailleurs que tu penses à maigrir pour de vrai, ma chérie. Parce que là, ça devient urgent, regarde. Moi, je suis toujours trop bien, bien courbée ici, bien courbée là. Sauf, seul défaut, c'est que là, oui, mes os sortent. Mais regarde, je suis bien taillée et tout. Y'a que toi, ma chérie. Bizarrement, pourquoi t'es pas comme ça? Toutes nos copines, tout notre groupe, il est comme ça. Y'a que toi qui es grosse. Faut penser à maigrir au bout d'un moment. Fin du rôle de la copine vicieuse. Bon, les gars, la vidéo va durer trop longtemps, je pense, si je continue. Mais j'ai fait le rôle principal. Je fais tout le temps la vendeuse de vêtements en live. Je fais tout le temps la prof. Je fais tout le temps la CPE. Et je fais tout le temps. Et je fais tout le temps la copine vicieuse. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Franchement, j'aimerais trop vous faire une partie 2. C'est une petite vidéo drôle, etc. Je sais pas, j'aime bien jouer mes rôles et là je voulais le jouer longtemps donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un petit peu amusante et divertissante. En attendant la vidéo de demain, je vous souhaite tout le bonheur del mundo et à bientôt. Bisous les stars. Demain c'est un mukbang en plus.